Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light avec Katox. Salut Katox. Salut. Et du coup on se retrouve pour faire une petite session, n'est-ce pas? Alors ça c'est ta voiture, moi je vais prendre la mienne. On va massacrer du signe, enfin du zombie. Du zombie potentiellement héritier du signe. Donc j'ai posé un petit point sur la route, on va aller s'en occuper. Personne disparue, pareil. Ah ah, comme je t'ai esquivé! Bon, moi je t'ai eu, hein, mais... Non, je t'ai esquivé de justice. On va dire que c'est une blague. Tu remarqueras qu'ils ont eu le temps de faucher le champ. En fait. Ouais, c'est vrai, ce champ a été fauché. Les zombies avaient sûrement besoin d'un peu de paille. Bah oui. C'est le drame. Aïe, mais qui a planté cet arbre là? Ah, tu parles à Lina. Fine, don't worry, but listen, your patient was right. There's this group here, and all of its members seem to be immune to the virus. Ni de rapaces. Ah merde. Les nids sont des viviers rapaces, on trouve un peu partout dans la campagne. Détruisant, vous réduirez la population de rapaces et rendrez la nuit plus sûre pour vous et pour les habitants. Toutefois, car ces nids sont remplis de rapaces en journée. Vous aurez de plus grandes chances de réussir en agissant de nuit. Ah, c'est le truc que tu vas TMT rendre de nuit. Ouais, tu dois rentrer là-dedans de nuit. Pourquoi pas. Ça, on avait déjà vu ce texte, je crois. I'll try to get in touch with them, but these people don't trust outsiders for shit. Massacre pas ma voiture. Bonjour. D'ouvrir les portes. Les portes, les coffres. Une hachette impitoyable. C'est pour une hachette du crocodile. C'est pas haut. Alors il paraîtrait qu'il y aurait un survivant par là, il y a un truc bleu là. C'est ce que c'est hyper loin non? Ah non, c'est pas. C'est juste. Oh là là. C'est l'enfer de conduire dans les arbres avec ce truc qui vise de partout. Ah c'est horrible. Ah merde, putain, je suis pas avec mon grappin. Aïe. Ah, c'est juste un marchand. Qu'est-ce qu'il a? Flèche électrique. Lubrifiant, des kits de soins. Ouais, du coup. Rien d'intéressant finalement. Ah, mais il y a un trophée de course dedans quand même, c'est cool ça. Attends un peu, ce serait pas Kyle Crane, le gars dont tous les fermiers parlent. Si c'est moi. C'est chacun ses petites victoires quoi. T'en as qui sont connus du monde entier, toi tu dis que les fermiers parlent de toi. T'es sûr que c'est par là parce que j'ai l'impression qu'on descend quand même vachement beaucoup dans la vallée. Non, je pense que ouais là c'était. Il y avait le survivant mais. Là je pense qu'il faut qu'on fasse le tour, ouais, remarque c'est à l'endroit où il y a le nid de rapace, alors c'est pas forcément ultra bon signe. Bon allez. On va faire le tour de la petite montagne là. On va tomber sur le nid de rapace, dans le nid de rapace sans faire exprès tu vois. Coucou. Ah la vache, elle crache des flammes ta bagnole. Elle crache des flammes? Ouais derrière ouais. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? On peut monter tu crois? Bah je sais pas, le pont a l'air d'être en dessous on dirait. Il serait dans le nid de rapace. Ça sentirait le pâté moi j'aurais tendance à dire. Si c'est le cas. Ça sent l'idée de merde non? Ouais personne disparu, on dirait bien qu'elle est dans le nid de rapace hein. Statut du nid, forte activité de rapace. Plus par là, je suis. Je pense qu'on va pas y aller en subtil. Hein. Il y en a un là-bas, deux là-bas. Je vois même pas.
Ah, si tu fais A, tu les vois là. Je crois qu'ils nous ont vus. Non, ils nous entendent. Ah ouais, si oula, ça, ouais, 4-5. Quand ils se forte activité de rabat, c'est pas pour déconner. C'est un peu ça. L'avantage, c'est qu'ils sont fragiles à la lumière. Hein. Ah, mais il y a des bonbons, c'est des bonbons ça. Ouais, c'est des petits rapaces. Des fois, il y a des espèces de faux rapaces comme ça. Aïe! Excusez-le. Raté la marche. Ouais, et puis j'ai plus le réflexe de balancer le. Le grappin. Normalement, elle est censée être là, la personne disparue. En tout cas, c'est joli. Si elle est là, la personne disparue. Ouais, à mon avis, elle est. Ah, je l'ai trouvé. Ici. Il y a trois filles de course ici aussi. Ah oui, l'autre elle a décidé, tiens, si j'allais me poser dans cette grotte, c'est sûrement ouais, safe, tout ça, tout ça. C'est sûrement fait, aucun problème. Tout va bien, c'est tout une va bien. Ouais, c'est quand même défendu, hein, mais ça va pas suffire. Ouais, on a tué deux, quoi. Est-ce que tu veux vider le nez ou pas? Écoute, on peut essayer de voir, ça se tente. Allez. Il doit y avoir une sauvegarde de toute façon là, plus ou moins. Au pire. C'est bien lumineux pour un truc sombre, hein, je trouve. Ça, on va tomber sur des. On va tomber sur des aliens quoi. C'est ça. C'est pas une caverne, c'est la Stargate. Ah, attention, je commence à en voir devant là. Juste à droite, qui est en train de grimper là. Oh! Ouais, putain, y'en a quelques-uns en face aussi. Mais on va essayer de les refaire venir. Cocktail Molotov. Non, j'ai que dalle. Hein. Bon, c'est probablement pas le plus optimal de le faire à cette période là. Ceux-là ils sont plus costauds déjà. Ça c'est. Nous, ça, c'est du vrai, gros. Wow. Activité. Merde putain j'ai plus de munitions. Oh attention il arrive à côté. Ah le mec vénère quoi. Je recharge. C'est bon, ils sont morts. J'ai plus du tout de munitions pour mon flingue. Poursuite évitée, oui, c'est une façon. C'est une façon de voir les choses. J'ai plus la petite mitraillette. Non, tant pis. Ils sont tombés avec leur cadavre là. Tant pis. Pas de loot. Il en reste encore hein. Il y en a un juste là. Ok, 3 balles dans la tête. Putain ça va pas tuer hein. Il y en a un autre qui est en train de grimper là. Ah ouais toi t'es descendu dans la fosse quoi. Bon bah je vais tâcher de te couvrir hein. Je vais pas te mentir, je pense que je vais mourir dans ma propre souffrance. Laissez-moi sortir, au secours. Non. Ah putain, ils m'ont fait tomber aussi. Reculez, bande de fumiers. Je vais mourir pour causer des ça. Aïe aïe aïe, le massacre quoi. On s'est tellement fait dépouiller. Ah, c'était simple au début, c'était sympa. Au début. Ils sont tellement costauds quoi, franchement. Même avec le fusil d'assaut c'est tendu hein, et encore on a des bons fusils d'assaut quoi. Bon,
Bon, de toute façon, j'ai plus de munitions, donc... Au moins, on a sauvé la personne, c'est déjà ça. Voilà, on a sauvé son cadavre. Bon, par contre, du coup, la bagnole... un peu relou, quoi. On l'a laissé un peu loin. Être Batman. Oh, ça va, c'était pas si loin que ça. Ça va. Bon, alors du coup, oh la vache, il y en a 2000 des nids de rapaces quoi. On peut tenter de se faire nettoyer la zone sécurisée là, s'il n'y a pas besoin de récupérer les rapaces. Juste en dessous. Ouais. Par contre, comment on y va quoi? Il n'y a aucun nid. Ah, il y a l'air d'avoir une route quand même plutôt vers la. Je dis ouais. C'est par là. Yo. Ça paraît pertinent. Faut passer par la fuite de chasse où il y avait l'autre tout à l'heure. Large. Ça c'est de la suspension. La suspension et de la résistance. Hein. Oh putain. Ah le trou je l'ai pas vu venir là. Tu vois, il y a un truc avec des pics sur... Ou un poteau, ça dépend. Improbable. Sauver les survivants. Ah, ah j'ai vu de quoi on va les sauver. Oui, c'est peut-être, je sais pas. J'ai pas peur de la mort. Je déconne, j'ai peur de la mort. Oh la vache, le machin qui te défonce les deux tiers de ta vie direct quoi. Ah il est vénère. Ah putain. Est-ce qu'ils ont des... Pas de balle de flingue par hasard. En plus il est capable de tourner quand il charge lui. J'adore te voir arriver en courant avec la machette levée là. Oh, oh là là, je suis à terre. Ah bah c'est toi aussi. De fou. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet enfer quoi. Échec. C'est sûrement une idée avec le fait qu'on reprenne le jeu après y avoir pas joué depuis quoi. Deux ans. Un an. Deux ans. Et qu'on est resté en difficile dans l'extension. Ouais. Bah là j'avoue, ouais, machin, tu vis de trois chargeurs dans la tronche. Moi ouais, j'ai surtout plus de balles donc. Ah, je lui ai vidé mes flèches dessus, mais... On va le faire à pied. Bon, on s'arrêtera sur la voiture de police en passant, du coup. Ouais, je pense que... Je crois qu'il y en avait un qui était planqué là. Ça va. On peut rentrer dans la caravane? Je crois pas, non. Je pense pas, mais le coffre de voiture jaune, il est... Ouais. Il est ouvrable. De toute façon, c'est un truc que j'aime bien avec ce jeu, le côté un peu scavenging. J'espère que dans le lot il y aura bien ça. Oh, je pense, ouais. Oh la vache, quand tu l'as jarté. Vas-y, je crochet dans la tombe. Ah, j'ai retrouvé les. J'ai retrouvé les bons vieux réflexes. Tu sautes et tu fais un petit coup de E et bim. Ouais, c'est un des trucs les plus violents que j'ai jamais vu sur un jeu vidéo. Le mec il saute et il va vraiment mettre les deux pieds dans la face. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est de la merde, je suis déçu. J'ai une faux brutale. Moi j'ai un vieux truc paddle pour faire des fessées. Hein. Du coup il est toujours là? Non il est plus là. Une tapette à mouche. Une tapette à mouche, c'est exactement ça. Putain il m'a volé mes flèches du coup quoi. Bah, potentiellement t'as même volé ta vie donc bon. Toute mon expérience, durement gagnée. C'est vrai que par contre à chaque fois que tu meurs tu perds de l'XP quoi. Et tu peux pas perdre un niveau je crois. Je crois pas, non. T'as déclenché une alarme ou un truc du genre? Non. J'ai entendu un ding-ding. On va se foutre là-dessus, plus ou moins en sécurité. Et on va fabriquer quelques trucs, parce que là, genre des flèches. C'est quelque chose dans le bus. Allez. Dollar, du plastique. Ok, un peu de flèches. Coupe bonbon, non. Kit de soins.
que je peux. Voilà, ça devrait être pas mal. Recette de soins. Bon, Ibi. C'est quand même la violence. On va reprendre la voiture. Avant de se mettre à marcher et s'en éloigner trop. Attends, quoi? Alors, faisons un petit point sur la route. Il faudrait qu'on prenne la route qui était derrière en fait. Oui, tu peux aller, derrière, ouais. Même s'il n'y a pas de pilote. Hein. Ouais, mais attends, je peux aller derrière, mais je peux surtout sortir en fait. Je peux trouver comment ça. Enfin, on peut sortir la tête. Ah, t'as trouvé comment sortir la tête? Ouais. Ah, c'est comment? En fait, tu fais Z, t'avances. Ouais. Ouais, tu te mets à l'arrière et t'avances et ça te fait sortir la tête. Alors, je sais pas si tu peux tirer en même temps, ce qui serait vachement intéressant. Ouais, ça serait un peu plus pertinent. La voiture est officiellement en cours de décès. En tout cas, tu vois toutes les pièces qui sont en rouge. Je pense qu'on fout de moi. Comment ça, arme brisée, putain? Tu te fous de ma gueule? C'est pas le moment de casser une arme, sérieusement. Transmission est en jaune. Bam. J'aime bien aussi le petit coup de pied quand ils sont au sol pour leur exploser le crâne quoi, c'est vraiment jusqu'au bout quoi. Coupé en deux. Alors comment on ferme du coup? On peut pas fermer pour l'instant. Ah, ça doit être au-dessus la zone sûre, un truc. Là, la porte est ici. T pour la torche. Allez, on met le jus. Explose-nous ce truc. Et oui, car sécuriser une zone, hein, ça consiste principalement à faire en sorte qu'il y ait la lumière ultraviolet, même la nuit. Pour éloigner les rapaces. Ils n'aiment pas le soleil, ce sont c'est des gens intelligents. Merde. Le soleil, voilà, trop de soleil c'est pas bon pour la santé. Les rapaces le savent. Ils prennent soin de leur peau. Ils prennent soin de leur peau, ouais, c'est ça. Exactement. Du cosmétique premium, wouh. T'as vu hein, ça donne envie. Et bah du coup c'est sécurisé là? Non, il y a un truc à faire en haut après, on dirait. Par contre, il y avait un coffre dehors, on va plus le temps d'occuper. Voilà, c'est le moment où on va se faire une petite escalade des familles. Ça me rappelle dans. Dans quoi que j'avais vu ça? Dans Far Cry 5, à un moment, il te redemande de monter une tour. Et t'as vraiment le PNJ qui te fait. Je sais ce que tu vas te dire. Que je vais te faire monter des tours à travers tout le pays. Mais non, c'est juste la seule que je vais te faire monter. Ah, c'est vrai que dans Dying Light, il y en a quelques-unes bien flippantes à grimper, quoi. Ah, mais c'était la période, hein, c'était... T'avais ça dans quoi? Dans Dying Light, ils ont rajouté ça dans... Allez, dans Far Cry 3, je crois, t'en avais partout aussi. T'as eu un moment où voilà, le délire des devs, c'était les tours radio à grimper. Et on peut pas utiliser le grappin en plus. Eh ben non, sinon ce serait beaucoup trop simple. Je percute pas par où t'es passé là. Je suis des trucs jaunes. Ah ouais, mais justement j'arrive pas à... Alors c'est de l'autre côté? Non, là il est dans une grille celui-là. Là. Ah, ah oui, là il y a des trucs pour grimper. Allez. Quel homme! Il a de la force hein, le petit. Ah ouais hein, clairement c'est ça déconne pas. Alors grimper. Oh putain, sa mère. Ici, voilà. Alors ici du coup, faut passer là, sur le gros spot, zone sécurité inactive. Oui, bah oui. Merci, on était un peu en train de stresser là.
Quoi, y a plus de secondes. This is Crane. Just ran across what could be a pretty secure location, but I can't get the power to come on. Any idea why? Ah donc tu... Oh les roses. Il est sécurisé, mais en fait non. T'as pas fait la quête qu'il faut. Merci de prévenir avant. C'est clair. Difficulté difficile. Ah, faut redescendre à pied du coup. Quel enfer. Donc, j'ai un truc qui monte tout en haut. Bah moi j'ai une tyrolienne là, mais qui descend dans le chantier là-bas. Allez hop, c'est parti. Alors quelle était l'utilité d'aller tout en haut? Oh, il y a un coffre. Avec dedans un plan. Est-ce que t'as confiance en moi? Putain! Ah oui, il y en a quelques-uns, ouais. Est-ce que t'as confiance en moi? Ouais, vas-y. Bon. Je suis tombé à côté. Ah, et puis moi je suis hyper loin par contre. Hein. Parce que du coup j'ai pris une tyrolienne qui m'a emmené hyper loin. J'étais littéralement tombé juste à côté. T'as essayé de sauter sur un truc censé accentuer, enfin ouais. Permettre les choses. C'est un peu dur de bien viser ces trucs là. Hein. Ouais, ça peut être tendu, ouais. Bon bah là du coup il y a plein de monstres et il n'y a pas de bagnole là. Bah, du coup, on va y aller à pied. Pas où t'es. Bon, j'ai pris une tyrolienne, du coup tu connais les tyroliennes, je suis apparu à 2000 km quoi. Ouais, je te rejoins. Et moi je suis réapparu au premier point. Même pas à l'emplacement comme sans savoir sécuriser. Il est où le survivant là? Bon. Allez, c'est le temps de faire un petit footing mon gars. On va aller à l'affût de chasse là. Le mec a dit qu'il était cerné, ça me paraît le bon plan. Taper en même temps? Non, absolument pas. Hein. Alors, il est cerné par les infectés. Oh, tu te fous de ma gueule, il y en a trois quoi. Bim! On pas tous méga agents du. Du GG machin. Ah putain! Ah oui, t'es là, t'es coincé, je t'ai vu mec. Tu permets, je loot. Thanks stranger. If you hadn't shown up, I would have died and I never would have seen the coming of the god of the sun. Ah. On lui a permis de vivant. De vivre et aussi de pouvoir voir l'arrivée du dieu soleil. Oh. Ça valait le coup. J'ai trouvé un train de fourniture militaire. Il m'a filé 200 balles, donc bon. Oh, c'est... Ça va, mais c'est pas non plus fou, quoi. Je suis au milieu de nulle part, c'est ça qui me fait un peu chier, surtout. T'es à côté d'un hydrapace, non? Ouais. Et juste devant, il y a un train de fourniture militaire, donc... T'as envie de ce train de fourniture militaire, je sens. Ah oui, oui. Attends, je suis déjà en train de le piller, penses-tu? Je cours. Tel un petit cabri sur les pentes. Tel un dahu avec une jambe plus courte que l'autre. Ah oui, il est en bas. Putain, merde, il est en bas. On descend. Drame. Ça, c'est proche. Hop là. Le pauvre quoi. Il s'est tellement fait défoncer la tronche. Oh, tout est ouvert à l'intérieur. Attention, j'ai mis le feu. Comment tu sais que c'est un train de fourniture militaire? Parce qu'il y a plein de militaires dedans. Il y avait plein de zombies militaires dedans. Ah d'accord. Ah oui, des packs de munitions militaires, packs de matériel médical. Effectivement, des pièces de turbo encore.
Ah, mais j'ai une pièce de suspension. Ah, j'ai niveau 4 de turbo. Pistolet plein. Ah, mais t'as rechargé mon pistolet, ça y est. Ah, mais parfait. Il y a plein de munitions par terre en plus, hein, ici, si tu regardes. Ouais, bah en fait, c'est bon, je crois que à la fois mon fusil et mon flingue. Carabine, carabine, fusil, mitraillette, c'est bon quoi. Tout est plein, c'est bon, je suis plein. Une récupération de composants fouillés sous le capot des véhicules abandonnés dans la campagne. Ah, on peut fouiller ah. Les. Ah. Oui, j'ai fouillé la voiture ici. T'es où? Là. Genre, on nous a jamais dit. Ah, merci ouais. De nous le dire quand je découvre qu'il faut le faire. C'est clair. Tu vois ce que tu viens de faire? Eh ben, en fait. Eh ben, par hasard, tu l'as fait, eh ben, c'est ce qu'il fallait faire. Ah merde, c'est le nid là. Ouais, on il y a un lieu de piège là. Ouais, ouais. J'aimerais bien voir ce que c'est, ouais. C'était chaud, on y va. Laisse-moi monter. Oh, wait, shit, oh, oh. Tout doux, rentre. Ah oui, bah c'est là où j'étais tout à l'heure, ouais. C'est là où la tyrolienne m'a amené, effectivement. T'es où, mec? Putain. Alors, est-ce que t'as des petits cocktails Molotov de prêt à tout hasard? Je sais plus comment on change tout ça. Je crois que j'en ai pas. Si, j'en ai. Je crois que j'en ai, mais je sais plus comment on change tout ça. C'est avec F3, F4 et tout. Attends. Bim. Ça a pas l'air de leur faire grand chose. Non. Ils vont peut-être rattraper un rhume avec la différence de température. C'est un peu décevant. Ouais, ça leur fait rien. Qu'est-ce que c'est que ces zombies à la con? Puis quand les zombies ils sont immunisés au cocktail quoi. Sérieux. C'est une zone de piège ici? J'ai même pas fait gaffe. Putain, je suis tombé dessus tout à l'heure et. Ah ouais, bah écoute, on va y aller à l'ancienne, hein, à l'épée. Hein. J'ai trouvé comment on équipe ces trucs. Ah ouais d'accord, j'ai compris. Ah mais t'as pas encore réussi à les équiper, excuse-moi, fallait me dire. Au moins les grenades ont l'air d'être un petit peu efficaces, si on peut dire. Voilà, on ira chercher un peu de munitions s'il faut. Hein. Putain, mais ils sont incroyables quoi, tu leur coupes les jambes, les bras et tout quoi. Fatigant de manier cette faux visiblement. Oh, qu'est-ce que tu fais là toi? Non mais oh. Quelle violence. Viens. Hop là. Voilà. Par contre. On répare la faux parce que. J'ai fait tellement glitcher le zombie que. Il ah, mais putain, mais il est en vie lui. Derrière moi. Excuse-moi, je priais, je suis en train de marcher, il y en a un qui s'est relevé. Tu disais quoi? T'as tué plein de zombies? Bah non, que j'ai tellement frappé fort qu'il a glitché, il est apparu derrière moi. Ah! Oh, j'ai un képèche égyptien.
tu vas pouvoir tuer des gens comme les pharaons le faisaient. La peinture pompier. Ah, on peut avoir des peintures pour nos voitures, c'est magnifique. La recherche de collectibles qui n'en finit jamais. Ah bah ça va faire partie de la série, hein. Les moments où on est dans les zones de pillage et où on loot. Mais t'es encore en vie toi? Putain, mais je t'ai coupé le bras, je t'ai électrocuté. T'es en flamme. T'es encore en vie. Je dirais un certain chevalier noir, it's a flesh wound. Ceux qui ont la référence. Je vous attends, grand-père. Me laissez pas tout seul là-dessus. Bah ouais, bah j'imagine que Chevalier Noir tu parles de Batman, mais j'ai pas la référence avec le Flesh Wound. Oh. C'est un sacré Graal, Maui. Ah. Tu sais, il lui enlève les deux bras, les deux jambes. Les deux bras, les deux jambes, mais oui, je t'arracherai la gorge avec les dents. Avec les dents. C'est une blessure superficielle. Je le tiens, c'est bon. Du loot. C'est vrai que je me rappelle que c'était quand même vachement plus pratique de faire ça quand tu tuais des grands nombres de zombies. C'était d'attendre un peu que le corps dépop. Ouais, et puis de ramasser les trucs de... après, ouais. Il laisse les espèces de paquets de cocaïne là par terre. C'est ça, les paquets de cocaïne ensanglantés. Bah sérieux, ça ressemble vraiment à ça, non? Ah non, ouais, je suis d'accord, ça ressemble vraiment à ça. Je sais pas qui a eu l'idée pour le design, mais c'était pas foncièrement fameux quoi. On va pas se le cacher. Putain. Ça faisait classe dans la ville, les petits paquets de cocaïne. Il a tenté de nous faire passer un message. Les toilettes, on peut les fouiller. Non. Non, j'ai essayé, mais non. T'avais laissé un casier ouvert, fermé, là. Où c'est? Bah, il y en avait un au milieu qui était fermé, ah ouais. Du coup, j'avais... Une épée courte mortelle. Écoute, on va la prendre, parce que je suis un petit peu en déche de ressources, là. J'allais passer à côté de maquillage. My goat. Alors, du coup, est-ce qu'on peut fouiller les capots? Ah, on peut carrément fouiller les capots, quoi. Ah, j'ai déjà oublié. Bon, je pense qu'il doit falloir des bagnoles un peu spéciales pour trouver des trucs utiles, parce que j'ai trouvé deux vis. Faut pas aller loin, quoi. Trois vis. Quatre vis. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, il y a des trucs encore. Bon, nos bagnoles sont hyper loin aussi, ça c'est pas cool. J'avoue, le zombie perdu, il est en train de bouffer un cadavre. Ah bah on t'avait pas vu, excuse-moi. Je crois qu'il est revenu, c'est tout. Ouais, y a un assez gros nombre de zombies là. Un katana vicieux, dommage, il fait 0 dégâts. C'est tout naze. Bon bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein. Est-ce qu'on peut fouiller les moteurs de bus? Non. Dommage. Ah si, tu peux fouiller les moteurs de bus, mais... Tu ne connais pas l'architecture des bus. Mon cher, un véritable moteur de bus, c'est à l'arrière. Ouais, c'est pas faux. Eh, ils y ont pensé. Hein. Sérieux, ils y ont pensé? Mmh. Ah oui, putain. Effectivement. Ah, tu peux même regarder les... Le... Du coup, il dit qu'il y a une truc dans lequel on met l'essence. Il y aura une safe zone par là? Il y a absolument pas de safe zone par là. C'est écrit safe zone en gros là, avec une flèche qui dit sauter ici. Mais il y a absolument rien. C'est sûr que c'est pas un endroit où tu peux sauter genre... et t'as sacs qui te rattrapent. Là regarde, là c'est marqué en gros safe zone sur le mur. Bah c'est, ça remonte la... Ça remonte la tour radio. Ouais non, justement pas trop. À moins qu'il y ait des flèches à un moment pour faire demi-tour, peut-être, ouais. Genre on descend ici, puis après on remonte la pente là. Ouais, bon, c'est pas C'est pas fondamental. Faut oublier de fouiller les réservoirs aussi. Les réservoirs. Comme ça, tu peux faire remonter ta jauge d'essence dans ton véhicule. Ah. Oh la vache, oui, exact.
Les voitures viennent de... Les voitures ne sont plus un simple objet de fouille, elles deviennent utiles. C'est ça. Grande nouvelle. Même celle où il n'y avait rien à fouiller avant. Ah ouais, j'ai un jerrycan d'essence. Deux jerrycans d'essence. On devait... partir par là, c'est ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à retrouver nos voitures. Bah, c'était à la tour. Ouais. Bon, allez, on retrouve les voitures et on arrête l'épisode. Pas bonne idée. Merde, j'avais oublié que j'avais équipé le cocktail et puis et puis mon grappin. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as tenté le c'est grappin, le grappin mais sur une pente un peu trop haute. Allez, allez, putain, allez, ils allez, sont allez, volés partout. Non, ah mais ils non, sont revenus. T'as vu qu'on a pas sécurisé la zone. Hop là. Reste par terre. Est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que ce jeu va pouvoir me laisser remonter ou... T'es pas mort toi? Maintenant t'es mort. Je crois que t'avais décapité toi. Voilà. Ah Batman, mais t'es sérieuse machine. Elles sont increvables elles. Ah, ils sont capables, les barbares. Voilà. Yo. C'est fait. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je t'ai rejoint. Je constate. D'une manière plutôt efficace, donc ça c'est la tienne. Je vais pas pimper la tienne. Oh. Celle-là c'est la mienne. Réparer le véhicule. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Ça s'est cassé. Tout réparé. Pas qu'il vous manque un câble. Et si je veux réparer juste ça, oui. Ok. Moi j'ai pu tout réparer. Tu. Ah ah. Pièce de frein, ok. Et moyen de l'avoir, ouais. Dans le sac à dos, pièce de moteur niveau. Ah, je peux même faire la peinture. Toi. Amélioration de buggy, pièce de route, équipement. Elle est où la voiture? Ah, dans personnalisé. Ouais, bon par contre ça sert pas à grand chose parce que du coup... Parce que du coup t'as pas suffisamment de pièces dessus pour faire apparaître quoi que ce soit, mais au moins elle est plus rouillée. C'est vrai que ça manque un petit peu de carrosserie, ouais j'avoue. Adhérence 40, accélération 78, ça c'est beau quand même. Ah oui, c'est mon ma pièce de turbo là, qui est pas... super bon état. Ouais, il doit sûrement y avoir moyen de recycler les pièces existantes. Ouais, d'accord, on sent bien le turbo niveau 4. Ah bah ouais, on le sent le turbo quand il s'est... Oh, attends. Allez, j'ai ce truc là aussi. Alors ça c'est cassé, on est d'accord. Ça par contre c'est pas cassé du tout. On va prendre. Alors par contre, on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.